Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu personnelle puisque effectivement ce mois-ci il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. Pourquoi? Quand vous êtes un petit peu en perpétuelle réflexion, en perpétuelle transition de mode de vie, puisque il s'avère que le mode de vie va changer sûrement très probablement l'année prochaine, et que ça sera vraiment une transition assez balèze quand même, pour vraiment vraiment balèze. Et donc si je n'ai pas fait une vidéo, c'est que j'ai eu besoin aussi de moments pour moi, pour me divertir, pour me vider la tête, pour faire en sorte j'ai même aussi beaucoup de recul sur ma manière de penser vis-à-vis d'un effondrement éventuel, puisque personnellement je vois pas comment ça peut aller mieux, tout en gardant aussi à l'esprit que un être humain est capable parfois d'être un petit peu surprenant et qu'on peut même avoir des surprises. Alors, j'y crois pas tellement, mais il peut s'avérer toujours qu'il y ait quelque chose qui se passe et qui réveille beaucoup plus de conscience de faire des vidéos, d'avoir un discours d'appel, on va dire, d'appel à une réflexion. Donc j'ai eu besoin de beaucoup de recul, beaucoup de divertissement aussi, parce que à un moment, il faut vider la tête et il faut de nouveau un petit peu se détendre et passer du temps à rigoler. Parce que le rire, est la meilleure maladie du monde. Hein, c'est ce qui fait beaucoup du bien au moral, à l'humeur, à la tête, et puis même au corps, je pense. Je suis pas psychologue ou neuropsychologue, je sais pas quoi. Mais effectivement, de prendre beaucoup de plaisir dans la vie en général, alors que ce soit des petits plaisirs, hein, ou pour certains, peut-être, de rouler dans leur super grand bagnole, grande marque. Alors, si c'est un loisir, si c'est un plaisir, si ça fait le taf, voilà. Je suis pas prendre le bagnole, mais bon, ça, chacun son domaine. Mais pour dire, voilà, il faut vraiment, pour l'instant, rigoler, passer des soirées entre amis, à boire, pas boire, hein, c'est pas un discours, mais passer du temps entre amis et puis à faire la fête, entre guillemets, sans trop d'excès, bien sûr. À l'époque, j'ai été un petit peu bagarreur dans les bars, j'ai été un petit peu farfelu, foufou comme ils disent. Et je me suis beaucoup calmé aussi. Mais parce que aussi, j'ai pris conscience des choses beaucoup plus qu'avant. Et puis bon, je rentre dans un âge où la sagesse s'accorde. Non, je déconne, mais non, mais effectivement, plus vous prenez de l'âge, plus vous avez un regard différent sur certaines choses, sur peut-être des choses que il y a 5-6 ans en arrière, vous dites, je sais pas, d'avoir tous les albums de vos groupes préférés, c'est important. Et puis un jour, vous vous réveillez, puis vous regardez, et puis vous vous dites, bah effectivement, c'est pas si important que ça. Le bien matériel, hein, c'est pas toujours si important que ça. Tout dépend aussi quelle approche, que ce soit des souvenirs ou un sentiment. Parce qu'effectivement, vous écoutez parfois des musiques, elles vous remémorent des bons souvenirs comme des mauvais. Et parfois, bah, il faut apprendre à revivre avec ça, mais aussi s'en détacher. Et donc, le bien matériel, parfois, on peut se dire, bah, en fait, tant que ça ne nous fait pas vivre, on n'a pas quelque chose de bon à en tirer, mis à part, comme je l'avais dit déjà dans une de mes vidéos, n'importe quel objet matériel peut vous rendre heureux, vous satisfaire. Petite anecdote, à l'époque,
Je travaillais, je n'avais pas encore de loyer à payer, je m'achetais une dizaine de CD par semaine. Alors, j'ai toujours écouté ces albums, du début à la fin. Mais au bout d'un moment, on achète mes CD, et ça rentre dans un mode habituel, on savoure plus le plaisir. C'est comme vous mangez tous les jours votre repas favori, ben, au bout d'un moment. Ouais, c'est bon, mais sans plus. C'est pour ça aussi que se détacher un peu de la zone de confort peut justement vous aider à réapprécier les choses. Et tout ça, toute cette réflexion, depuis que j'ai commencé bien avant la chaîne, bien avant tout ça, voilà, le rire est important, et toujours d'ailleurs. Et se détendre et puis se filer la tête, mais pas n'importe comment non plus. Pas n'importe comment non plus. Mais il faut voilà, réussir à faire la part des choses. Et c'est ce pourquoi aussi je voulais faire cette vidéo-là, parce que pendant ces 8 derniers mois, 9 derniers mois, j'étais vraiment très à fond dans mon truc. Alors c'est une bonne chose. Mais en général, quand je suis dans un trip qui me, pas forcément un trip, mais j'appelle ça un trip quand même. Quand je suis dans un trip qui me, qui j'y vais à fond. Je regarde pas, je m'en fous, j'y vais à fond. Sauf qu'au bout d'un moment, on a quand même besoin de, oula, stop, on va ralentir la machine et puis on va essayer de voir. Et donc, parfois, quand je fais un peu moins de vidéos, quand je me dis, bon, quel sujet je vais devoir, faire ou pas me répéter aussi. Moi, je regarde 2, 3 vidéos de ma chaîne. Donc, je regarde mes premières, la moitié de la chaîne, et puis vers la fin. Et puis, effectivement, des fois, je vois effectivement des améliorations. Voilà. Donc, pour ceux qui suivent la chaîne plus ou moins depuis le début, vous avez peut-être pu voir des changements, un son un peu plus merdique, une qualité de vidéo différente. Voilà, mais j'essaye aussi d'améliorer mon truc constamment. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais ça c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et donc, se divertir, pour l'instant, c'est très important parce qu'on peut en refaire, que ce soit dans des livres, pas forcément manuel de survie et tout en soi. Ça peut être de la fantasy, de bande dessinée, d'Astérix. Tiens, c'est bizarre, c'est ce que j'ai dit. Mais voilà, apprendre à se divertir de la bonne manière et pas forcément regarder Cyril Hanouna, parce que bon, ça craint quand même ce qui se passe à la télé. C'est la réalité qu'en fait, ces gens-là vous prennent pour les cons. Même eux, ils sont cons à souhait, parce que bon, on va regarder. Jetez un coup d'œil une fois sur un zapping et la réalité sur YouTube. Moi, il me fait fondre littéralement le cerveau. Hein. C'est waouh! Et dire qu'il y a des gens qui regardent ça, c'est waouh! Il faut avoir un petit peu de l'estime pour soi et pour regarder ces trucs-là. Moi, je pense pas que ça soit très. Ne pas avoir une grande estime pour ça. Enfin, franchement, voilà, je vois pas comment on peut. Enfin, voilà, bref, c'est pas vraiment le sujet, mais se divertir de la bonne manière. Après, on peut toujours se divertir sans se prendre la tête dans ce que vous aimez. Par exemple, voilà, ce soir, j'ai envie d'aller faire du bivouac. Bah, j'emmène pas les caméras. Et puis, je passe mon bivouac. Et puis, je fais quelque chose qui me plaît. Sans forcément voir ce que je fais. Sans forcément parler de survie, survie, survie. Parce qu'effectivement, c'est un sujet qui peut être lourd en fait. Hein? C'est pour ça aussi des fois je mets des petites vidéos. Ça fait longtemps que j'avais pas mis des vidéos, diaporama, photo, musique. Ça permet aussi d'être un petit peu dans le truc, mais sans trop non plus se prendre la tête. Et effectivement, faire un petit peu de divertissement sur la chaîne. Je vais voir, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu différent aussi au fur et à mesure. Mais voilà, se divertir, se vider la tête, ça reste important. Malgré l'urgence très violente
qui s'offre à nous, hein, parce que ça soit l'économie, la société qui s'effondre, il y a aussi la planète qui commence à crier haut et fort. Et je dis souvent, la planète, le jour où elle veut vous licencier, il n'y aura pas de vie. Ces derniers temps, je vois un petit peu que la planète n'est pas très contente de nous. Alors, il y a des gens qui disent que le réchauffement climatique n'est pas forcément de notre faute. Il y a quelque chose de notre part. Pas que. Après, il faut savoir que la Terre a un certain cycle. Et ce cycle-là, on l'approche à chaque fois. On l'approche de plus en plus vers un nouveau cycle. Et ce qui entraîne des changements assez violents. Et nous, on n'est pas forcément adapté à ces changements. Hein, notre père et notre mère fondamentale, et il faut apprendre à vivre avec et pas contre. Et malheureusement, aujourd'hui, on détruit la mer, on détruit la planète, la faune et la flore juste pour gagner plus de sous. Seulement, la mère, elle s'en fout, qu'il soit riche ou pas, il passera quand même. Donc pour l'instant, on peut se divertir, on peut se détendre, rigoler avec les amis. Mais qui sait que demain, on peut perdre un quand même. Ça arrive tous les jours, des gens qui perdent, des gens qu'ils aiment. Et savourer chaque instant avec les personnes qu'on aime, savourer les moments les plus tendres qu'on peut avoir dans nos vies pour justement avoir un bon souvenir. Ces personnes-là ne sont plus là. Et tant qu'on peut rire, aujourd'hui, même si on ne peut plus rire de tout, parce qu'aujourd'hui, on dit quelque chose d'un peu dérangeant, ben c'est catalogué, c'est structuré, et puis on ne peut plus rire du tout. Mais bon, la connerie humaine, elle est là où elle est. Donc voilà. Vidéo en vrac, hein, pour parler un peu de tout, mais effectivement, apprendre à se divertir aujourd'hui, même sur YouTube, hein, aujourd'hui sur YouTube, on peut trouver tout et n'importe quoi, et on peut trouver des très belles choses, des superbes chaînes. Je ferai peut-être une fois une série, une petite vidéo où je présenterai les vidéos, enfin les chaînes que je regarde. Qui soit assez toujours plus ou moins dans la même sphère, mais qui ont quand même leur différence et qui peuvent apporter aussi des nouvelles choses à votre vie, hein. Peut-être que vous connaissez pas ces chaînes-là et qui pourront peut-être en plus de la mienne vous apporter d'autres choses. Et donc voilà. Et donc bah voilà, petite vidéo un peu différente. Mais aussi, j'aime blablater aussi. J'aime blablater, et puis il y a des gens qui me regardent blablater, et qui, je pense, comprennent au final d'avoir mes conseils, ma façon de penser, ma vision de penser. Alors, je pense que vous n'êtes pas toujours d'accord avec moi sur certaines choses, mais ça fait aussi le charme du partage. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, YouTube, ben, c'est un partage. Et donc, si on peut avoir des échanges, tant mieux. Bon, voilà, je reviens, hein, sur la chaîne. Je suis toujours là, je n'abandonnerai pas. C'est pas dans mes habitudes d'abandonner. Hein. Plus je vais dans l'âge, moins j'abandonne. Et juste pour vous dire que je reviens vite fait sur ça. J'avais donc fait une vidéo sur mon combat par rapport à l'alcool et je m'en sors nickel, nickel, chrome. Je suis guéri, mais je suis guéri parce que j'ai voulu le faire. Et dans la vie, c'est simple. Si tu ne le fais pas, tu n'as rien. Il faut se battre tous les jours. C'est pas toujours un combat facile, que ce soit alcool ou autre. C'est pas toujours facile. Il y a des jours où même moi je rêve et voilà. Parfois c'est chiant. Parfois, ce matin même,
voilà, j'avais envie de bazarder, de tout foutre en l'air, et puis de me casser en forêt, et puis de vivre là-bas, mais toute la vie du jour au lendemain, ça c'est pas si évident que ça, au final. Mais effectivement, si on fait pas les choses qu'on veut, personne va les faire à notre place. Et c'est pas en priant ou en espérant. Quand on fait les choses, ça peut marcher. Voilà. Et donc, voilà. Mon petit discours est fini. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même si on parle de tout et de n'importe quoi. Mais parfois, il faut aussi faire des vidéos qui sont apaisantes et qui peuvent vous faire réfléchir peut-être d'une autre manière, d'une autre façon. Puisque vous savez, je le dis assez souvent dans mes vidéos, dans la vie, il n'y a jamais de problème, il y a des solutions. Si une fois vous n'allez pas bien, vous n'avez pas le moral, essayez de voir qu'est-ce qu'il y a vraiment comme souci dans vos vies. Alors parfois, effectivement, il y a des soucis que malheureusement on ne peut rien faire. On peut pas refaire, on peut pas faire revenir la personne qui est décédée avant-hier, par exemple. Je donne un exemple. Il y a des soucis comme ça, on est obligé de vivre avec, malheureusement. Si parmi entre vous il y a des gens qui vivent des heures sombres, bah, j'ai envie de vous dire courage, et j'ai envie de vous soutenir dans votre peine, dans votre difficulté. Et bon, pour ça, je tiens à vous rappeler que rien n'est pas possible dans la vie, rien n'est acquis tout de suite. Je souhaite un bon courage. Je souhaite de réussir où vous entreprenez dans votre vie. Et voilà. Moi, je suis quelqu'un qui est fort moralement. J'ai pas toujours eu la belle vie. Hein, avec ma bonne formation, j'ai pu avoir des moments très difficiles dans ma vie. Notamment, j'aurais pu me dire, oh, je vais pas faire YouTube, on va pas me comprendre, mon discours, on va pas me mère. Et au final, je crois que j'ai eu bien raison de continuer la chaîne, puisque dans mon discours, dans ma façon de vous dire mon message, ceci parce que je pense qu'il faut appeler les consciences à se réveiller. Et pour moi, la survie, c'est un mode de vie, mais avant tout, il faut savoir aussi ce que c'est la vie. Alors, on a tous nos soucis, on a tous nos difficultés dans la vie, mais il faut savoir pourquoi on se bat. Et il faut mettre toutes les chances de notre côté pour s'en tirer le mieux, pour aller vers le plus haut. Parce que on a besoin de rire, on a besoin de rigoler avec les amis, la famille. Et tout ça, peut-être que demain, on ne pourra plus. Donc, quitte à des fois se dire, on s'en fout, on met des problèmes dans un lance-pierre et puis on tire, et puis on envoie bazarder le petit problème pendant 2 ou 3 heures, ce qui peut permettre aussi parfois de souffler. Parce que les problèmes, dans certains cas, on a beau se prendre la tête, ben les problèmes ils partent pas, ils restent là. Donc voilà, je tiens à vous dire merci pour le support que vous faites sur cette chaîne. Je suis quelqu'un sincère, je ne suis pas un blaireau. Je ne suis pas forcément connaisseur dans tous les sujets. Et c'est pour ça, si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas, faites-le dans les commentaires. Toujours avec un certain respect, bien sûr. Mais n'hésitez pas à me dire les choses que vous aimez, que vous n'aimez pas, dans mon discours, dans ma façon de faire, peut-être. Ou tout simplement, si pour moi, quand je parle de la vie elle est facile, ou si vous prenez ce discours-là, la vie est facile, il faut s'en foutre. Non, c'est pas toujours facile. Mais c'est que si on fait rien, ça va pas s'arranger. Walou, walou, mes amis, moi je vous tiens informé pour la suite.
manière. Et je vous dis à bientôt. Et ben, la vie, à jamais, crois-moi, il n'y a toujours que des solutions. Et merci pour votre soutien. Un grand merci à vous. Ciao.